في هذا القطاع اعتمدت المملكة المغربية عددا من الاستراتيجيات القطاعية التي ستشكل منطلقات للاستراتيجية الوطنية السالفة للذكر. ويمكن هنا أن نذكر على سبيل المثال والحصر ست استراتيجيات وطنية. الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. ثانيا الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. ثالثا الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد. رابعا الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية. خامسا الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر. سادسا الاستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته وتعزيز الشمول المالي. هذا اللقاء هو مناسبة لتقييم 10 سنوات من تأسيس وحدة كتسمى وحدة معالجة المعلومات المالية، وغادي نركزوا فيها على محاربة غسيل الأموال وتبييض الأموال، وهي عندها واحد علاقة مباشرة بمكافحة الفساد. ومادام عندنا استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عندنا أيضا استراتيجيات وطنية أخرى لمكافحة تبييض الأموال وتهريب هذه الأموال، وبالتالي هذا كيخضع لواحد العمل فني وواحد العمل تقني وواحد عمل في التقائية ديال الجميع المتدخلين بما فيها بنك المغرب بطبيعة الحال، الأبناك الوطنية، مختلف الإدارات، المؤسسات الدستورية بمختلف أنواعها، ولكن بطبيعة الحال السلطة، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، هذو كلهم كيتدخلوا في هذه العملية. كيفاش غادي نقيموا هذه 10 سنوات، فين وصلنا، وكيفاش اشنو هي الاجراءات اللي خصنا نديروا في المستقبل باش تكون المكافحه ديال الفساد وتبييض الاموال والتهريب ديالها يكون قوي وقوي جدا. الريونيون aujourd'hui consacre une nouvelle mobilisation contre le blanchiment. Donc je pense que c'est l'occasion pour cette réunion et cette manifestation, c'est précisément à la suite de l'évaluation qui a été faite de notre système de lutte contre le blanchiment et contre la lutte contre le financement du terrorisme. Et je pense que ça vient à la fois consacrer des 10 années de vie de l'UTRF, qui est quand même au centre un petit peu de ce système, mais de l'autre côté, ça va nous permettre aussi de combler toutes les lacunes relevées au niveau du rapport d'évaluation qui a été fait à Amman et sur lequel toutes les parties prenantes se sont engagées de façon à ce que le Maroc sorte de, je dirais, du suivi renforcé dans lequel on est pour le moment. Donc ce colloque national, il s'inscrit dans le cadre de l'évaluation nationale des risques qui est conduite par le Royaume du Maroc conformément à la recommandation numéro 1 et le résultat numéro 1 du GAFI. Donc cette conférence nationale vise tout d'abord de dresser le bilan de 10 années d'existence de l'unité de traitement du renseignement financier qui reste un bilan qui est très positif par rapport aux déclarations de soupçons reçues par rapport à la coopération internationale, bien sûr, avec les différentes cellules de renseignement financier similaires. C'est une occasion aussi pour partager les résultats du rapport de l'évaluation nationale des risques avec les différents départements concernés. Ce rapport qui va être adopté incessamment par le gouvernement permettra quand même au Royaume du Maroc de se conformer aux standards internationaux requis en la matière. Combien de cas vous avez pu recenser de soupçons ? Pour les soupçons, c'est le rapport de l'unité, il est sur le site. On peut le consulter pour avoir beaucoup plus de détails. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis la création en 2009 jusqu'à 2019, c'est-à-dire durant ces 10 dernières années, on a pu quand même assister à une recrudescence de soupçons. Comme vous le savez, le soupçon ne veut pas dire l'incrimination. Il y a tout un travail qui se fait après les déclarations de soupçons. Mais généralement, c'est une évolution qui est très positive. Est-ce que les viseurs sont internationaux, sont sur le Maroc, ou plutôt il y a un allègement sur ce regard? On ne peut pas dire qu'il y a des viseurs. Tout simplement, c'est que les standards à l'international, c'est des standards qui sont évolutifs, c'est des standards qui évoluent par décennie ou par 5 ans. Donc on est obligé, chaque fois que les standards changent, de se conformer
soit au niveau législatif réglementaire, soit au niveau institutionnel. Donc ce qui se passe au niveau du Royaume du Maroc se passe dans la plupart des pays qui sont évolutifs dans ce domaine, qui respectent leur engagement international.